Toutes et à tous, chers amis, chers abonnés, chers viewers, soyez les bienvenus aujourd'hui pour un nouvel épisode sur les Sims 4. Et oui, sur notre nouveau Let's Play que j'avais pas terminé depuis une bonne semaine. Je tiens vraiment à être désolé pour cette absence aussi longue, car comme je vous avais déjà expliqué, le travail m'a apporté beaucoup plus, m'a demandé beaucoup plus de temps. Donc c'est vrai que c'est plus important quand même d'aller travailler, ce qui est logique, que de faire un loisir autre qu'aller travailler, tout simplement, parce que le travail pour moi est quand même assez important, comme je l'ai déjà dit, je ne vais pas vous le répéter 26 fois, le travail pour moi reste quand même la principale chose pour pouvoir investir dans ma chaîne YouTube et vous faire un meilleur contenu avec plus de choses. Donc ceci dit, voilà pourquoi je n'étais pas là pendant une bonne semaine, donc je tiens vraiment encore une fois de plus à être désolé, et j'espère qu'en tout cas vous êtes content de retrouver un nouvel épisode, une nouvelle vidéo sur la chaîne, car moi je suis super content de vous en faire une nouvelle, et je suis vraiment super pressé. Pourquoi presser? Alors tout simplement aujourd'hui les amis, j'ai décidé de faire du Sims 4, car nous avons une nouvelle mise à jour, une grossière mise à jour durant que j'étais pas là, je n'avais pas vu, quand j'ai allumé le jeu. Surprise, j'ai eu plein de nouvelles choses. Alors tout simplement, nous aurons bientôt un nouveau kit d'objets qui s'appelle Ambiance Spatio, que vous pouvez voir en bas à gauche. Et ensuite, dans cette mise à jour d'ici d'aujourd'hui, nous avons une nouvelle ville qui s'appelle Newcrest, voilà, vous pouvez voir, qui est ici. Et apparemment, ce serait une ville qui ne serait pas habitée encore, voire par personne. Donc écoutez, moi je vous propose qu'on va faire, c'est qu'on va déménager à la Newcrest, acheter une maison ou alors acheter un terrain, voir ce qu'on peut faire. Et apparemment, on pourrait créer de nouvelles pièces avec des formes un peu personnalisées. Donc si je me trompe pas, bah écoutez, on va essayer de l'utiliser, voire découvrir un petit peu cette mise à jour. Ça pourrait être sympatoche, voilà. Hein. Donc allez, c'est parti. Ce que je vous propose, c'est qu'on commence à cliquer. Prenez une guitare, un violon ou un piano pour offrir à vos Sims le cadeau dont tant rêvé. Ok. Alors écoutez, moi, c'est pas que je m'ennuie dans ce terrain, mais bon, écoutez, vu que nous avons la mise à jour, autant en profiter pour aller sur les nouveaux terrains. Voilà, donc ça nous fait 4 terrains maintenant. Waouh, Magnolia Promenade, Ozzy Spring, Willow Creek et Newcrest. Et nous, on va à Newcrest, les amis. Alors, je sais pas les moyens. D'accord, ok. ouais, ok. Ah, ok. Mais, ah d'accord, parce qu'il y aurait 15 nouveaux terrains, apparemment. C'est juste des terrains. Mais la carte est pas grande. Bon, bah écoutez. Alors, hein, 8500 crains, hein, non, construction, d'accord, apparemment non les amis, on ne pourrait pas choisir un foyer. Et vous n'allez pas me dire que quand même que mon Sims n'a plus une thune. Ah, c'est peut-être le fait qu'il est au boulot pour le moment encore et qu'on ne peut pas encore acheter. Et je comprends pas, on n'a plus d'argent. On est ruiné. Et moi qui pensais partir en vacances, eh ben, les vacances sont un peu comme ratées. Tout comme en vrai. Eh non, les vacances cette année, moi je n'en prends pas. Eh oui, pas le temps. Le travail est plus important que d'aller en vacances. Même si c'est très important dans la vacance aussi. Mais bon, vous me direz. Allez, le mode vie, le mode dans lequel vos Sims se mangent, dorment, discutent et vivent leur vie. Sous votre contrôle, bien sûr. En plus, le didacticiel, non. Alors, didacticiel, j'en ai un peu rien à foutre. Je vous le dis franchement. La dernière fois, c'était les celles-là, il me semble, où j'avais joué entre temps. Ce qui a tellement longtemps maintenant que je me souviens plus de ce qu'il fallait faire. Donc, il fallait trouver des objets à collectionner. Ah, d'accord, il fallait creuser dans le terrain, quoi, en quelque sorte. Faire de l'exercice, mais je m'en tape. Qu'est-ce que tu me saoules? Bon, bah écoutez, on va creuser. Hein. Apparemment, il nous demande d'aller creuser 10 fois. Écoutez, on va creuser 10 fois. C'est pas perdu, hein. On a tout à y gagner. Parce qu'on a plein de trucs à récupérer, ça peut être sympa. Allez, clique là, voilà. Hop, avec notre beau, tendre et joyeux Raftouille qui est là et qui sait pas qu'est-ce qu'il va faire. Il court. Ça, c'est étonnant. Il court, ce gros feignant. On sait tous que c'est notre personnage est un gros feignant. Et quand il a pas envie de courir, bah, il nous fout rien. Et c'est pas étonnant que je le retrouve mal à l'aise, hein. Ça me choque pas non plus. Bon, doutez que de toute façon ce personnage là était toujours mal à l'aise, il n'y a pas un jour où il l'est pas.
Ah, c'est Brody. Qu'est-ce qui se passe? Ah d'accord, c'est du bruit. Je vais rallonger par contre le temps de du travail. Ouais, il va faire encore des heures supplémentaires. Voilà. Il va faire encore quelques heures supplémentaires. Ça va payer. Hein, faut pas s'inquiéter. Plus on fait d'heures, mieux c'est. Allez, hop, on clique là. A détenir une carte de trésor. C'est sûrement la promesse d'une grande chose. La promesse d'une grande chose. Ah ouais. Oh, il est content, il a trouvé une carte. Mongolien va. Oui, bon, on s'en fout. T'as faim, t'as envie de dormir. Tu iras dormir plus tard, Coco. Enfin, au moins, t'as du boulot. Donc, il nous en faut encore deux, voire une, pour pouvoir débloquer cette partie-là. Ah, bah, il y en a là. Allez. On avait une à côté, en fait. Je suis trop con. Je suis pas allé chercher la bonne. Je suis à la perpète la chercher, qu'en fait, on avait une juste là. Quelle erreur. Raftoid a déterré une capsule. Qu'est-ce qu'elle peut bien contenir? Eh ben écoutez, on va aller la découvrir, cette fabuleuse capsule qu'il nous propose. Où est-ce qu'elle est, cette capsule à la con? Ah, c'est celle-là. Mystérieuse capsule. Eh ben, ouvrir. Waouh, qu'est-ce que c'est? Docteur F, qui met d'humeur joueuse. Oh, cool. Cool, on a débloqué une pièce. Ouais, bien. Eh ben, écoute, eh ben, qu'est-ce que tu nous proposes d'autre? Arroser les plantes, écoute. On peut faire des choses faciles, hein. Voilà, quoi, pas trop compliqué. Pas trop de trucs qui demandent trop de temps. Acheter des graines. Mais non. On veut pas acheter des graines. On peut pas. Cette plante n'a pas besoin d'eau. Et pourquoi? Bon, ben, écoute, jette, hein. S'il y a que ça à faire, on va acheter la plante. C'est terminé dans une heure. Oui, bon, ça, c'est pas grave. C'est pas grave. Il va la faire quand même. Il va finir sa journée, hein, ce gros feignant. Hein, parce que moi, quand on me dit fait des heures supplémentaires, quand on fait une heure de plus, je l'ai fait. Voilà. Hein, plus d'heures, mieux c'est. On connaît tous la technique, hein. Allez, voilà. Bon, bah, écoute, Raftouille. Ah, 303 de Simflouz. J'allais dire de euros, dollars. J'allais tout sortir, en fait, en 30 secondes. Donc en fait, non, c'est des dollars. Voire même des simflous, allez. Parce qu'on est capable de me dire dans les commentaires, moi, ça s'appelle des simflous, c'est pas des dollars ni des euros. Ok. Enfin, je me suis appelé que c'était d'un coup, là. Mais la terre d'expérience extra-corporelle. Corporelle. Expérience. Oh. D'un coup, je me dis, Raph, tu vas faire une expérience un peu chelou. On sait pas ce qui va lui arriver à notre perso, mais bon. Non, on va pas le faire quand même, allez. C'est pas bien, il faut être sérieux. Ce qui n'est pas mon fort. Ah, on a que 300. Mais attendez, j'avais plus une thune. En quelque sorte, j'avais plus un sou. C'est quoi cette arnaque, en fait? Bon, bah écoutez, bah c'est pas grave, on va aller en mode construction. Et on va essayer de construire une nouvelle pièce maintenant. Parce que, apparemment, on pourrait. Alors, ça, c'est une bonne chose. J'aurais bien voulu essayer de créer une pièce un peu space. Vous savez. Apparemment. Ah, bah voilà, outil pièce personnalisée. Ah, c'est ça. Ah, c'est ça. Attendez. On découvre, hein. Ouh. En gros, ouais. Tu peux faire des trucs comme ça, quoi. Mais voilà, quoi. Ni plus ni moins. J'aurais bien voulu faire un rond, en fait, en quelque sorte. Vous savez. Mais personnalisé. Octogonale, forme en L, on s'en fout un petit peu. Et ça. Ah, outil sous-sol personnalisé, d'accord. Outil sous-sol. D'accord. D'accord. Ok, bon, bah en gros, on n'a rien de... À part ça, de nouveau, pour le moment, je vois pas autre chose. À moins que ça, on a aussi en personnalisé. Non, non, apparemment, non. On n'a rien de nouveau, de plus que ça, pour le moment. Eh ben, écoutez, on verra bien la prochaine fois. Ah, personnalisé. Ah, on peut ça aussi. Tu vois. On peut faire des piscines un peu cheloues. Regardez. C'est bien, ça. Ouais, d'accord, fond insuffisant, ok. J'allais bouffer mes sous en plus, alors quel con. Bon, écoutez, c'était sympa, moi j'ai bien apprécié ce petit outil-là qui nous permet de faire des pièces personnalisées, ça c'est cool. Bon, bien sûr, c'est dommage qu'on peut pas faire d'arrondi, parce que j'avais en projet de construire une sorte de château dans le nouveau terrain, vous savez, et on l'a pas. Bon, après, c'est vrai qu'ils auraient dû faire, comme vous savez, dans le 3, il y avait un kit, je crois, c'était horreur. Horreur, je crois, un truc nageur. Ou pas horreur, voilà, hein. Mais horreur... On peut avoir des fantômes, bon, bien sûr, même si on a déjà les fantômes, mais vous savez, faire une sorte de maison hantée, quoi. Ça aurait été vraiment sympa.
il y avait un DLC ou un kit, je sais plus, où il y avait un monde où c'était qu'un monde un peu dans le thème de tout ce qui était Halloween, des choses comme ça, un peu dramatiques, quoi. Et c'était assez sympa. Moi, j'aimais beaucoup ce nouveau truc, que j'avais utilisé beaucoup, même, je dirais. Et donc, je trouve que c'est vrai qu'il y a beaucoup de reprises du Sims 3. Il y a beaucoup de DLC qui ressemblent à peu près Sims 3, à peu près dans le même principe. Vous savez, le magasin, les kits d'objets, les choses comme ça. Ça, on l'avait. Après, le kit de vacances, je sais plus, parce que il y a tellement longtemps que j'ai plus joué au Sims 3 que la moitié des choses que je me souviens plus. Ah, il s'est déjà levé? Bon, bah écoutez, il a le temps de manger tranquille. Une petite part de gâteau. Et en plus, c'est ça, en plus, les amis. Si on déménage en parlant de gâteau, on va avoir de nouveaux voisins. Donc, les voisins, en fait, ils vont nous accueillir, en fait, avec le sourire, les gâteaux. Enfin, bref, c'est assez sympa. Parce qu'apparemment, on aurait un cake qui serait nouveau, c'est un nouveau gâteau. C'est vrai que c'est sympa. C'est sympa. Et puis, quelques bugs qui ont été corrigés, comme pour la fontaine à jus de fruits, apparemment. Quand elle prenait feu, ben là, cette fois-ci, elle prendra feu, mais là, on la verra. Alors là, on va faire plutôt envoyer seul, les amis. Ouais, ça ira 3 fois plus vite. Oui, tu vas aller au boulot tout nu? Non, hein? Tu vas aller au boulot tout nu, c'est ça, hein? Voilà. Bon, bah écoutez, on va accélérer le temps et puis on va attendre que la journée se passe parce qu'apparemment, le divertissement chez lui, ce n'est pas ça. Il va falloir qu'on augmente son avertissement, mais bon, c'est pas gagné le divertissement là pour le moment. On est très très mal barré. Bon, ça va, on ne sommes qu'à 10 minutes de vidéo, on a encore le temps de faire plein de choses. Ouais, il a fini sa journée de travail. Très tendu. D'accord, il a gagné combien? 686. Bon, c'est vrai, quand tu vois le prix du terrain qui est à 8000, ça fait un peu mal. Mais bon, après, c'est vrai que. On va revendre quelques objets aussi, parce que c'est vrai que la maison est chère pour le moment et je pense que. Mais ça, je pense que la construction de la maison, je le ferai hors vidéo, les amis, parce que ça existe beaucoup trop long. Je vais pas m'amuser à refaire un accéléré. Ou alors, on le fera un accéléré directement. On va nettoyer la baraque, parce que là, laisser tomber quoi, c'est le bordel. On va chercher des pièces. Non, j'ai tout, j'ai tout. T'emmerde pas, mon petit Raph. Voilà. C'est bon. Ah, écoutez, on va le faire monter en point de cuisine aussi, parce qu'il faut peut-être qu'il se mette un petit peu à cuisiner. Moi, j'ai un repas rapide, dîner. Alors, ça, du fromage, la cure du fromage, gratin de taco. Ouais, gratin de taco, allez. Pourquoi pas. Un taco. Moi, j'ai un taco. On dirait de la mozzarella ou un truc dans le genre, vous avez vu. C'est un peu spécial. Gâté. D'accord, mon café, il est gâté. Super. Alors, foire pas ton gâteau, s'il te plaît. Parce que la dernière fois que t'as fait ça, t'as foutu le feu à la baraque. Merci, c'est bon. Hein? Et la dernière fois qu'il a voulu cuisiner, ce gros malin, il a pris feu tout seul. Je me dis que c'est un personnage qui est complètement nigo. C'est un fer de ses 10 doigts. Bon, bah écoute. Ouais, la musique, ça va, Coco. Avec les droits d'auteur, c'est bon, quoi. J'en ai déjà pris un il y a pas longtemps, droits d'auteur dans les dents. Ça m'a fait mal. Ça m'a fait mal. Regardez la chaîne cuisine, la chaîne d'action. Allez, d'action, parce que ça va détendre un petit peu plus. Après, c'est vrai qu'il est quelle heure? Oh, 22h, ça va, ça peut. Regardez, voilà, ça, c'est un truc auquel j'aurais apprécié avoir, vous savez. Ça, c'était dans le 3, par exemple. Voilà, on avait. On pouvait se transformer en loup, on pouvait être un sorcier, on pouvait faire plein de choses comme ça. Et ça, c'est un truc que j'aurais kiffé sur le 4. Je dirais même s'ils arrivaient à faire sur le 4, je pense qu'il serait même beaucoup plus complet, beaucoup plus mieux amélioré, avec beaucoup plus de choses. Et ça, j'ai totalement confiance en développeurs des Sims 4. Je sais qu'ils peuvent nous faire un truc vraiment superbe. Et vraiment, ça serait une belle surprise s'ils arrivent à nous le faire. Je serais vraiment ravi. Pour le moment, on va se contenter des DLC qu'ils nous proposent. C'est déjà pas mal. Voilà. Surtout qu'ils en proposent de plutôt pas mal. Moi, je trouve, pour le moment, je m'en plains pas. C'est assez prometteur. Donc, c'est vrai que je pense qu'il y a du potentiel. Il y a du potentiel sur ce jeu. Et je pense qu'il peut aller. Il peut être beaucoup mieux que le 3. Largement mieux au niveau des DLC. Voilà. Bon, bien sûr, on sait tous que c'est les Sims 4. Les DLC ne sont pas gratuits. Ils sont tous payants. Même un kit d'objets est payant. Voilà. La vessie, d'accord. En fait, j'avais la douche de la vessie, mais je ne regardais pas que c'était marqué vessie. Je croyais que c'était la fatigue. Je me dis, mais le mec dort, mais sa fatigue descend, c'est pas normal. Sa fatigue descend. Ah, c'est bientôt l'anniversaire de Raftou. En plus, il va vieillir, le con. Oh, ben, Dieu. Va vite pisser, va vite, va vite, va vite. En plus, il est détendu, donc c'est une bonne chose. Voilà, on est jeudi. Allez, va manger un petit truc rapide, vas-y. Œuf brouillé, toast avec œuf. Allez, toast avec œuf. On va te faire monter un petit peu en compétence cuisine. Oh, putain, la baraque, elle est dégueulasse. Faut qu'on appelle une dame de ménage. Ah, il a cassé le frigo. Putain, mais c'est pas possible. Et surtout qu'on n'a pas les moyens de le réparer, de le changer. Alors, écoutez, on va.
On va essayer de le faire réparer quoi nous-mêmes, hein. On va pas changer. Hein. Parce qu'on n'a pas les fonds, on est vraiment des clochards. Ah, le mec, bientôt. Oh, regardez le bordel. Alors, question propreté, ce mec-là, je crois qu'il. Il ne connaît pas. Ah, je l'envoie encore seul, hein, parce que j'ai pas envie d'aller au boulot avec lui. C'est limite, ça m'a un peu gavé, quoi, en fait. Sans vouloir vous mentir. Allez, vas-y, c'est beaucoup plus rapide quand il y va tout seul. J'en ai pas plus vite, regardez. Ça descend, le temps s'écoule, c'est sympa. Nous, pour l'instant, on peut attendre que les choses se fassent, c'est cool. Voilà, il est énergisé, c'est une bonne chose. Il va rentrer, il va prendre une douche. Bon, j'espère qu'il va quand même nous ramener une petite promotion, quoi, ça serait sympa, parce que... performance au travail, a obtenu un jour de congé. Un jour de congé, c'est tout. Putain, bande de radins, quoi. Il a pu me filer un jour une promotion, quoi, en fait. Ouais, bon. Bah non, écoute, tu prendras ta douche après, Coco. Avant, tu vas d'abord nettoyer ta maison. Voilà, nettoie. Ce serait plutôt cool. Hein. Alors, on va mettre la musique aussi. Voilà, allumé. Classique, fête des fins d'année, alternative. Voilà, c'est nos musiques à nous. Sans droit d'auteur, bien sûr. On peut bidouiller, ça, c'est vrai qu'on peut bidouiller les trucs. Ça, c'est une bonne chose aussi. J'avais oublié. Pour dire à quel point je ne jouais plus. Voilà, comme ça le son n'est pas trop fort. Elle nettoie ta maison. Voilà. Je veux que ta maison soit nickel. Voilà, c'est parfait. Ben, tu peux prendre une douche. Il l'a fait tout seul. Je lui ai pas dit d'aller prendre sa douche, il l'a fait. Eureka! Faire une découverte scientifique en prenant une douche. Ok, il a découvert un truc en prenant une douche, le mec. Très fort. Ça m'est jamais arrivé à moi. Fait sa sixième découverte et a noté une idée qui pourrait permettre de créer un sérum parfum de rose. Cliquez sur le bouton carnet en haut du menu du téléphone pour en savoir plus. Ouais, bah non, on n'ira pas voir pour le moment. On n'ira pas voir pour le moment. On va attendre un peu. Bien, très très bien, mon petit Raph. Voilà. Allez, va manger. Sur le bar. D'accord, ok, le mec, il a pas compris encore qu'il pouvait aller manger. T'as la permission de manger, Coco. Voilà, mange le gâteau. Mange le gâteau. T'es toujours déprimé. C'est un déprimé de la life. Je sais pas comment faire pour le faire monter son divertissement, là, plus facilement. Parce que là... Il a mangé une part de gâteau, ça y est, il a déjà envie de pisser. Ok, social. Social. Qu'est-ce qu'on peut lui faire en social? Ouais, peut-être sortir. Non, il fait nuit, non. C'est tombé, je crois que c'est pas bon. Ah bon, on va le mettre au jardinage parce que je crois que les plantes là sont en train de crever. Tout récolter, préparer un échantillon pour arroser. Voilà, hop, va t'occuper de tes plantes un petit peu, vu que comme demain t'as un jour congé, tu travailles pas. Voilà, on va plutôt arroser les plantes, ça ira plus vite. Voilà, et après on va les désherber pour que ça soit bien nickel. Hein, on n'aura plus de problème avec nos plantes. Et on pourra récolter quelques produits, voire même les stocker dans notre frigo. Voilà. Pourquoi Nomena? Il est con. Ah, ok. Bon, bah, écoute, désherber. Voilà. Voilà, enlever les mauvaises herbes. Voilà, c'est ça, désherber. Hein, c'est enlever les mauvaises herbes pour ceux qui ne savent pas. J'ai pas besoin de vous faire un cours de fleurs. Hein. désherber. Voilà, désherbe-moi tout. Oh, il est content. Ça l'occupe. Bon, bien sûr, ça monte pas son divertissement, je pensais. Mais non, même pas du tout. Voilà. Est-ce qu'on peut récolter quelques produits, vu que c'est un bananier? Récolter les produits. Ouais, récolte. Tiens, récolte pour voir ce que cela va faire. Oh, une banane. Ouais. C'est quoi? C'est quoi cette plante? Marguerite, non, non, non. Basilic, non plus. Écoutez, on a des bananes, pourquoi pas les mettre au frigo et voir ce qu'on peut faire avec. Ça se trouve, on peut faire des tas de choses avec une banane. Avec les bananes. Oh putain, mais... Voilà, je remonte. Putain, je me dis, mais c'est pas possible. Nettoie la flaque d'eau, s'il te plaît. Voilà, non, t'as pas fini, Raph. Je sais que t'es fatigué un petit peu, mais... Nettoie. Voilà, et on va le réparer. Ah oui, mais pas au moment qu'il est cassé. Vas-y, va pas t'électrocuter. T'électrocuter, hein. Trop fort, mec. Électrocuter.
Obtenez les pièces d'amélioration suivantes. Une pièce d'amélioration. Ok, super. Trop cool. On va aller dans l'inventaire par contre et on va mettre les bananes au frigo. Voilà. C'est bon. Non, mais attends. Vu que t'as faim, j'ai bien envie de te faire préparer. Dressin, biscuit au sucre, brownie pré-cuisiné. Hop là. Banane. Est-ce qu'il peut... Non. Je crois qu'il peut pas les manger, merde. Voilà, des citrons, des pommes. Allez, on va remplir un peu le frigo parce que c'est vrai que c'est pas du baconite. Envoyé seul. Ah lui, je vais le mettre. Ouais, il va nous mettre un petit peu d'humeur dans cette foutue baraque. Encore une capsule? Ah, mais j'en ai deux! D'accord. Et ça aussi? Ah non. Bon, bah écoutez. Grave truc par travailler. Ok. Bon, bah boss alors. Putain, j'ai pas pu vous montrer le monde en fait. Ça m'embête un petit peu. Parce que j'aurais vraiment aimé vous montrer ce nouveau monde. Mais bon, apparemment, pour le moment, on ne peut pas. Bien sûr, il nous reste encore 10 minutes. On peut encore peut-être se débrouiller pour qu'on y arrive. Regardez, nous sommes à 1049. C'est cool. 378 euros. Oui, euros. Ah, merde, je me suis planté sur ce coup-là. Qu'est-ce qu'il a? Raptor a terminé un trophée. My Sims. Un chef Gino. Ah, chef Gino, ça veut dire pour la cuisine? Ah non, mais c'est que pour les joueuses, quoi. Ouais, mais bon, on n'est pas très joueurs, nous, donc... Voilà quoi, c'est pas... Où celui-ci? Un or gobi? Oh mais joueuse quoi en fait. Puis tout à l'heure il nous met joueuse en fait et ça ne sert à rien du tout. Ouais, pourquoi pas? Bon écoutez. Et ça? Olgabi? D'accord. Oh, on peut le mettre sur la table? Oh, cool. Attendez. Comme ça on en met un peu de partout. Activer. Ouais. Son émotion. Voilà, comme ça il sera détendu vite fait bien fait le mec. Ouais, activé. Attends, bon, on en a partout en fait des nains. On en a partout des petits nains. Voilà. Voilà, il est confiant, c'est une bonne chose. Allez, voilà, on va activer. Non, ça c'est fait. On les avait activés sur tous alors, effectivement. Oui, effectivement. Donc, écoutez, normalement, dans pas longtemps il passe joueur. Dans pas longtemps il va être dans l'émotion joueur. Si je me trompe pas, bien sûr. Je ne peux pas. Allez, pourquoi il me l'a enlevé? Attendez. Oui, il était là. Ah, mais il se déplace, l'enfoirox! Il s'est déplacé! Bah. On va faire. Répare-le. Ah ouais, répare-le, tu l'as cassé. Gros malin. Ah, normalement, il est confiant. Ouais, normalement. Désolé pour le klaxon, mais les mecs, ils ont que ça à foutre ici. Allez. Améliorer sa compétence. Raptor est au niveau 3 de la compétence bricolage. Des pièces rares et fabriquer de nouvelles sculptures. C'est cool ça, Rafa. Acheter un établi. Détends-toi, Coco. Ouais, Ouais, bah regarde la télé au pire des cas. Bidouiller. Bidouille là. Tiens. Si ça peut faire quelque chose. Ça a rien fait? D'accord, ok, bon, bah, écoutez. Regarde la chaîne d'action, humour, sport. Ah, humour! Ouais, ça va lui faire du bien. Allez. Ça va te détendre. Bon, c'est vrai qu'après, la télé, elle est pas non plus. C'est pas une télé du feu de Dieu. La télé super classe, vous savez. La télé haut de gamme! Mais c'est la télé de merde, je dirais. Mais quoi? Mais en fait, dans cette maison, tout casse, quoi. Un coup c'est la télé, un coup c'est le frigo, un coup c'est ci, un coup c'est ça. Bientôt ça va être quoi? Ça va être les chiottes aussi? Ça m'étonnerait pas. C'est aussi la spécialité du jeu. Les chiottes qui cassent. Ok, d'accord, les joueurs, je m'attendais pas à ceci. C'est bon, arrête. Nettoie plutôt. Quel mongolien. Tout, jette tout. Mais jetez. Voilà. Mais il veut pas? Et pourquoi? Ah! D'accord, ok. Ok. Peut-être que ma poubelle est pleine. Vider la poubelle, voilà, tout simplement, c'est à cause de ça. Ils sont les papiers qui dépassent là, H24, comme ça, là. C'est pour ça qu'on ne pouvait pas le vider. D'accord, chercher les pièces, tout jeter.
On va pas chercher des pièces maintenant. Bah non, il préfère dormir. Ok. J'avais pas vu que son énergie, elle était au plus bas. D'accord. Il joueur, il veut plus dormir. Mais putain, mais il pète les plombs. Il pète les plombs. Blah, 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 blah. Le mec joyeux, quoi. Bah c'est ça, c'est agréable, quoi. C'est plus agréable. Après, peut-être que son divertissement, il descendrait peut-être beaucoup moins rapidement s'il est en mode joyeux. Bon, bien sûr, après, c'est dégueulasse. Je vous l'avais dit, la douche a cassé. Je vous l'avais dit, la douche a cassé. Super. Voilà. Encore un truc de plus. Ça, c'est fait exprès, en fait, pour nous faire monter les niveaux en compétences bricolage. Tout simplement. Ah ouais, c'est fait exprès. Bon, on est loin. Ouais, et mes amis, où les trucs? D'accord, deux pièces d'amélioration. Ok, il peut maintenant prendre une douche. Attendez. Ah, on peut l'améliorer. Améliorer le régulateur du débit d'eau. Ouais, cool, si on peut faire ça. Allez. Comme ça, tu montes en bricolage. Ah, il est mal à l'aise. Ah, il a envie de faire pipi, c'est normal. C'est tout à fait logique. Il se déchire. Voilà. Maintenant, on peut, je pense, avoir un truc en plus, non? Non. Peut-être qu'elle lave mieux dans ces moments-là. Là, c'est le chiotte qui va casser. Je suis pas voyant, mais je me doute trop du genre de truc que c'est où le... Ah non, rien. Bon, bah écoutez, c'est une bonne chose, hein. Parce que là, tout a cassé en même pas 5 minutes, quoi, tout a cassé. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi? Qu'est-ce qui va pas? Décorer. Décorer, ok. Oh, ok. Bon, je vais vendre ce machin de scientifique là, parce que ça, par contre, on en a plus besoin. Oh, ça vaut quand même 800, les amis. Hein. Donc, je pense que c'est peut-être pas donné non plus le prix de ça. Après, c'est vrai que bon, on a pas mal de petits trucs qu'on va garder parce qu'on va en avoir besoin. 100. Oh, je le vends. Ouais. Bah, attendez, si c'est que ça, 100$. Je le vends. Hein. Moi, je vous le dis. Hein. Le mec, quoi, il vend tout. Allez, c'est bon. Il faudra pas qu'on oublie que quand même on a été sur le point d'être en couple avec Stingate, mais je ne sais plus son nom. Alors, on va aller voir dans les connaissances, et c'était... C'était pas Nina? Ah si, c'était Nina. Non, quand même. C'était Nina, il me semble. Attendez. C'était Nina. Il faudra vraiment qu'on l'invite. Discuter, invite-la sur le terrain actuel, discuter. Ça va remonter aussi son social. Ah, il est triste. Ah, il est triste. Pourquoi tu es triste, mon coco? Comment je suis en train de dormir? Rappelez plus tard. Bon, pas bah, pleure. Et il va pleurer sous son matelas. Même sous sa couette. Il fait vite. Allez, c'est bon. Voilà, ça t'a fait du bien? Tant mieux pour toi. Il est quelle heure? Oh, mais il est d'accord. Célébrer l'anniversaire de Raftouille en organisant une fantastique fête. Ouais, pourquoi pas organiser une petite fête? Ou alors pour la prochaine fois, les amis. Allez, soyons fous, on organisera une fête la prochaine fois. On va juste réparer ça, et puis on va se laisser là pour aujourd'hui, les amis. Ça suffira bien amplement pour l'épisode. Et pour le retour sur ma chaîne. Voilà, est-ce que je vais aller tout doucement? Parce qu'au bout d'une semaine, c'est vrai que j'ai perdu un peu l'habitude, on va dire, de faire autant de vidéos, même si j'y prends toujours autant de plaisir, mais c'est vrai que j'arrive plus trop, je suis un peu fatigué encore. Chercher des pièces, tout jeter. Bah, jette. Hein. Bon, on va pas prendre des pièces. Merci. Voilà, wali walou. Bon, bah écoutez les amis, moi je vous propose qu'on se laisse là pour aujourd'hui sur l'épisode des Sims 4, épisode numéro je ne sais plus. En tout cas, moi j'espère que ça vous aura fait plaisir de retrouver un nouvel épisode. Moi je vous dis à la prochaine, n'hésitez plus à venir liker la vidéo, laissez vos commentaires. Je vous répondrai, bien sûr, vous en faites pas. Et je vous dis à la prochaine. Salut à toutes et à tous. Et bon jeu. Tchuss.